notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, Paris tenu au Cameroun pour la 4e édition du Forum national sur le domaine NEM système à l'international, naissance de la Fédération des entreprises numériques en Afrique. Applications étrangères dans ce journal à la découverte de Jubanti. Voilà pour les titres. Paris tenu au Cameroun pour la 4e édition du Forum national sur le domaine NEM système. L'Agence nationale des technologies de l'information et de communication, l'ANTIC, a organisé du 27 au 31 mai 2024 à Douala la 4e édition du Forum national sur le domaine NEM système sur le thème « Les ressources humaines plus compétentes pour un accès de qualité à Internet au Cameroun ». Le forum qui a réuni les fournisseurs d'accès à Internet et experts d'éthique devrait leur permettre de trouver des solutions aux problèmes d'accessibilité à des noms de domaine en .cm à partir de certains opérateurs. Le .cm est le domaine national de premier niveau réservé au Cameroun. Quatrième forum national sur le domaine national système de l'ANTIC, édification sur l'outil KINDNS. L'outil KINDNS a certainement été l'une des plus grandes découvertes et expositions de cette 4e édition du forum national sur le domaine national système. Sous le regard attentif du directeur de la normalisation et de la coopération de l'ANTIC, Albert Kamga, le représentant en charge de l'encadrement technique en Afrique et au Moyen-Orient, l'Internet Corporation for Assigned NEM en Numbers, Yazid Akano a brillamment édifié les opérateurs sur cet outil important. KINDNS se veut plateforme d'auto-évaluation vue sous le prisme d'une boussole pour les entreprises et prises de performance. À l'international, naissance de la Fédération africaine des entreprises du numérique en Afrique. C'était au cours du salon JITEX Africa qui s'est tenu à Marrakech au Maroc du 29 au 31 mai 2024 à l'initiative de la Fédération des technologies d'information, des télécommunications et de l'offshoring soutenue par le Royaume du Maroc, composé pour l'instant de 8 pays membres, donc le Cameroun, le Maroc, le Congo, le Nigeria, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Rwanda et Djibouti. Ces réseaux devraient mutualiser les efforts et défendre les intérêts de ces États membres. Toujours à l'international, RD Congo, confiance renouvelée à Augustin Kibasa Maliba. Pour la 4e fois, il est reconduit au ministère des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et du Numérique. Annonce faite le mercredi 29 mai à la radio-télévision nationale congolaise. De quoi remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Application étrangère dans ce journal, Jubanti est notre priorité. Jubanti est une plateforme nouvellement créée au Sénégal, précisément le 23 mai 2024. C'était en prélude de la journée du dialogue national dans ce pays. Jubanti est bien cette application qui donne la parole aux citoyens afin de bâtir ensemble une justice plus transparente, efficace et accessible à tous et à toutes. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.